Bonjour à tous, comme toujours, ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle présentation sur Livre et Heureux. On continue dans la session polar et je continue dans du lourd, du formidable, hein, du sans faute. Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbrook. Alors, contrairement à son nom, c'est un écrivain, enfin le nom qui peut paraître, je sais pas, allemand ou je ne sais quoi. En fait, c'est un écrivain français qui est extrêmement jeune. C'est bon, alors je vous le dis franchement tout de suite, c'est un livre que j'ai adoré, qui m'a peut-être que le mot est un peu fort, mais enfin qui m'a vraiment transcendé. Et je pense que je ne suis pas la seule. Alors, c'est un roman initiatique d'aventure, de l'adolescence, de la liberté, du besoin de liberté. C'est un. Alors, l'auteur a eu l'intelligence de ne pas ancrer ce roman dans un pays. Bon, enfin, il se trouve que ça se passe aux États-Unis, mais enfin, ça aurait pu être ailleurs. Ni de le figer dans une période particulière afin que chaque lecteur puisse l'approprier de façon universelle. Alors, c'est un livre sur ce que l'on a perdu adolescent et que l'on cherche quelque part à retrouver toute sa vie. Alors, c'est l'histoire d'une bande d'amis qui est menée par Hugo, dit Bohème, il est surnommé Bohème, et je dois dire, bon, ils sont adolescents, enfin jeunes enfants, jeunes adolescents au début du roman, et je dois dire qu'à ce moment-là, ils s'engluent un peu dans un avenir un peu opaque. Mais enfin, je vous rassure, tout ça va se décanter, alors peut-être pas de la meilleure des façons, mais enfin ça, vous le découvrirez par vous-même dans le livre. Et donc ces intrépides rêveurs vont entreprendre une traversée du pays où aucun d'entre eux ne sera épargné. Alors leurs trois valeurs tutélaires sont loyauté, honneur et respect. Alors est-ce que la vie leur donnera l'opportunité d'y rester fidèle? Bon, ben ça, on le verra. Alors, sur la route, donc, ce fameux Bohème et les siens feront l'expérience de la vie entre splendeur et décadence. Et à la fin du voyage, donc au bout de l'initiation, ils espéreront donc un horizon de liberté. Alors, c'est un très, très grand livre, aussi bien pour le style, pour l'histoire, pour les personnages qui sont extrêmement attachants. Et sur l'amitié, la loyauté, et comme malheureusement le veut souvent la nature humaine, la trahison est pas des moindres. Alors c'est aussi un immense road movie de la vie, un road movie, bon, puisqu'ils traverseront le pays à moto. Bon, alors pour terminer, j'ai juste envie de vous hurler à tous ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, achetez-le, empruntez-le, échangez-le, volez-le, mais alors surtout lisez-le. C'est un livre qui vous retournera le cœur et les tripes. Hein. Bref, c'est un époustouflant uppercut. Voilà, nous rêvions juste d'une liberté. Je peux pas vous en dire plus. Voilà, formidable. Alors, c'est un. Alors, l'intérêt, enfin, à mon avis, là où réside quand même la grandeur. Voilà, là, vous ne pourrez pas lire d'ici, mais enfin, la profondeur et la grandeur de cet écrivain. Voilà la liste des livres qu'il a écrits. Il n'a aucun ne traite du même sujet. Donc c'est pour vous dire à quel point il est prolifique et débordant d'imagination. Bon, là j'ai pris l'apothicaire. Alors voilà pour exemple. Voilà, là ça se passe
On est au 14e siècle avec un apothicaire, donc rien à voir avec le Schmilblick, une très très grande qualité. Voilà. Alors, les deux livres qui m'ont vraiment transcendé, Nous rêvions juste de liberté, Henri Lovenbrook. Hein, bon, ben, allez-y, foncez. Et ben, celui que je vous ai présenté précédemment, L'empathie d'Antoine Renan. Voilà. les deux, voilà. Si vous devez en mener à mon sens, hein, forcément, ça ne peut être que de mon point de vue. Si vous devez en mettre deux dans vos valises pour ces vacances, eh ben, c'est de là. Voilà. Je ne peux sur ce que vous souhaiter une très très bonne lecture. Et vos retours sont toujours les bienvenus. Dites-moi ce que vous en avez pensé, aussi bien pour L'empathie que pour Nous rêvions juste de liberté. Ou un autre de Henri Lovenbrook. Voilà. Je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine présentation sur livres et heureux.